Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Gus et bienvenue sur Pro Cycling Manager 2015 pour la carrière suivie. Team Arkham Pro, Team Aeroflot, le 29 juin, toujours les championnats nationaux, et là ce sont les championnats de Russie. Je vous rappelle que pour l'instant on a fait 3 championnats, 0 victoire, 0 maillot. Ça commence mal. Aujourd'hui il y aura donc 4 courses, 4 championnats. Et là bon, on va tout miser sur Chaneski. Voilà, Chaneski, ça nous fait plaisir qu'il soit quand même champion. Le coureur de 27 ans, ça, 27, et Belkov, il a 32 ans. Baroudeur, Belkov, il commence vraiment à devenir pas terrible. Hein. Ouais. Je sais plus s'il est encore en contrat l'année prochaine, mais bon, on verra bien. Bref, sur ce, rendez-vous tout de suite sur les routes, non pas russes, car vous voyez que c'est du Tana, donc c'est du Dama, donc c'est en Colombie, mais bon, j'ai changé parce que j'en avais marre des circuits pourris en Russie. Donc, du coup, ce sera celui-là, comme j'avais fait déjà une fois. Voilà, sur ce, rendez-vous sur les routes pour ces championnats de Russie et les championnats nationaux qui repartent de bon train. 4 vidéos, 4 étapes aujourd'hui, 4 courses. Let's go! 15 km sur ces championnats de Russie. Tcherneski devant avec Inatienko. Voilà, Inatienko qui est très fort. Inatienko qui résiste bien, regardez, il me suit tout le temps. Il est super fort là, Inatienko. Même si, voilà, bon, je sais pas s'il pourrait suivre tout le temps, mais bon. On va essayer de tenter quand même une grosse attaque là pour voir s'il peut encore suivre longtemps. Pff, il suit, hein. Il suit, il suit, il suit, il suit, il suit, l'enculé. Hein. Oui, je traite l'insulte, oui, parce que bon. Voilà quoi. Ah, mais ça me gonfle un peu là d'ailleurs, parce que le mec il est quand même pas si bon que ça en montagne. Hein. D'accord, oui, il a quand même 175 en montagne, certes. Moi j'en ai que 78 hein, aussi. Ah, il craque un peu là, il craque, il craque, il craque! On accélère, il faut accélérer maintenant, il faut accélérer. Oui, on a plus d'énergie. Nous aussi, on craque, mais il craque quand même. Il craque. Ouais, mais il craque moins que nous. Hein. Enfin, j'entends qu'il craque moins que nous. Il craque moins que Sergei Tcherneski, j'ai l'impression en tout cas. Ouais. Bah ouais, il m'a l'air de moins craquer. Putain, alors ça n'avait même pas le meilleur champion de Russie. Là, par contre, ça serait une grosse désillusion dans l'équipe. Hein. Ouais. Terrible désillusion, ça n'avait pas ce maillot de champion de Russie. Il y a plus une accélération, mais non, non, on récupère pas, alors on récupère pas, donc du coup c'est mort. À moins que, à moins que, à moins que, à moins que, on arrive à faire un petit écart quand même. Allez, on se met à fond, on s'en fout, on s'en bat la race, allez, on en descend maintenant. On sait pas. Des fois il se passe des choses bizarres dans le jeu donc ouais, mais là, je crois que c'est mort. Ouais, non, c'est mort. On récupère un petit peu de rouge donc on peut à nouveau accélérer un petit peu. On a le gel qui est actif, il reste 5 km. Ouais, ça va être tendu, ça va être tendu. Allez mon petit Tcherneski, allez, allez, allez. Ouais, non, 3 km à parcourir encore, mais il est là, Nchenko. Il est présent, il est là. Est-ce qu'il va pouvoir sprinter ou pas, lui? Ça va dépendre de ça en fait. Pour l'instant, il revient pas trop sur moi. 7 secondes, ah, si, il revient. Il revient. Allez, bon, c'est long des fois le sprint comme ça parce que là, du coup, on est au ralenti, alors qu'on a le temps de voir hein, ce qui se passe. Voilà, il revient sur moi, il va sprinter, je pense. Bah, j'ai plus aucune barre, vous voyez, je suis en gris total. Tcherneski peut être champion de Russie que. Ah non, il sprint, enculé. Oui, excusez-moi, oui, j'ai insulté. Quoi, tu vas bloquer? Quoi, tu vas bloquer? Quoi? Oui, je sais, c'est dégueulasse. Oui, je sais, c'est totalement dégueulasse ce que je fais là. Alors là. Là, vous allez m'insulter, je le sais. Mais bon. On veut le maillot de champion de Russie à l'équipe. On est prêt à tout. On est prêt à tuer s'il faut. On tuera s'il le faut. Mais nous serons champion de Russie. Avec Sergei Tcherneski en plus. Yeah! Oui, non, bon, je sais. Il n'y a pas trop quoi se vanter à ce que je viens de faire. C'est totalement dégueulasse. Mais je m'en fous. Totalement. Vous aurez beau me dire ce que vous voulez dans vos commentaires. Je m'en fous totalement dans le sens où. Il est champion de Russie, Tcherneski est champion. Voilà. Le maillot reste à la Team Arkham Pro, c'est le plus important. Kaliapin est là, tu as un dixième, mon ancien coureur, Renzo Kaliapin. Il y a Zakarin, j'aimerais bien la voir dans mon équipe, puis hein, pourquoi pas. Il faudrait que je voie. Mais je crois qu'il est encore en contrat, sous contrat, donc je peux plus. À la Sky, hein, le traître.
Alors qu'on voit que le vent souffle, le brouillard s'installe. Et en tout cas, Sagatchansky est champion de Russie. C'est le principal, je le répète. C'est joli, il y a cette neige, ce vent, ce brouillard. Bravo Sergei, bravo, t'as bien bloqué, t'as bien résisté au bloc, parce que du coup le bloc qu'il fallait faire, c'était pas évident, vous avez vu que c'était technique quand même, hein. Il a fallu bien se mettre dans la trajectoire et tout, bouger en même temps et tout. Bref. Un journal russe, hein, pour les championnats de Russie, c'est logique. Et voilà. Rendez-vous pour les prochains championnats nationaux, je ne sais pas du tout quel pays ce sera encore une fois, ce sera la surprise. Allez, à tout de suite. Il reste 15-20 km, excusez-moi, dans ces championnats de République tchèque. Jan Bárta qui, pourquoi pas, pourrait être champion de République tchèque. Disons que c'est jouable, c'est jouable. Ouais. D'après ce que j'ai pu voir et tout, c'est jouable, même si la blessure s'accélère. Mais c'est largement jouable. Dans les côtes, par exemple, je sais quoi, je suis un petit peu plus costaud qu'eux. C'est pour ça que j'essaie de faire des fois des gros efforts pour leur faire un peu bobo. Comme là, par exemple, je vais accélérer un petit peu une petite attaque pour voir un petit peu s'ils suivent, s'ils suivent pas, s'ils en chient ou pas. Bon, il y a des arbres, on voit pas grand-chose, certes, mais bon. Donc, je vous rappelle qu'en passant, nous n'avons qu'un maillot de champion national, un maillot de champion de Russie, obtenu d'une très très jolie manière, d'une manière somptueuse. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a que ça. En même temps, on n'en a fait que 4, hein, enfin 5 avec celui-là maintenant, mais celui-là, c'est jouable, je ne dis pas qu'on va l'emporter. Il y a lui qui est là, hein, le petit Cerny, il est toujours présent, toujours avec nous. Mais on va dire que je pense que c'est jouable, voilà, simplement. Attaque, il va sûrement attaquer, lui. Comme ça ne roule plus là, vous savez que l'IA souvent attaque dans ces cas-là, le derrière va revenir. Voilà, il est revenu, il n'a pas contré, non, c'est bon. Voilà, 10 bandes de l'arrivée. 9 km maintenant, et oui, ça avance. Allez, là, ça va être la montée, c'est là où il va falloir quand même que je fasse quelque chose, que je tente quelque chose. Moi, je me repose un tout petit peu là maintenant. Je vois rien que les baraques, c'est n'importe quoi. Ouais. Allez, on y va maintenant. Allez, mon petit Bartaif, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut y aller. Lui là, il suit pour l'instant, il suit, mais il a l'air d'en chier un peu. Nous, on va continuer à attaquer. Voilà, normalement, on va rien dire parce qu'il peut revenir encore dans les descentes, hein, bien sûr. Mais je pense que le titre ne devrait pas échapper à Jan Bárta. Ça nous ferait notre deuxième maillot, la Russie et République tchèque. Non, c'est bon, là, 32 secondes, c'est bon. On récupère un petit peu de rouge, on a encore du jaune, tout va bien. Voilà, ouais, il est long, il est long, c'est bon, c'est gagné. Jan Bárta sera champion de République tchèque. Bien joué. On va pas sprinter, on va rien faire. Voilà, 1 minute maintenant, c'est bon. On peut même terminer en dilettante à 50 d'allure. Ça veut dire que récupérer un petit peu pour le dernier kilomètre, tranquille. Voilà, pépère. Voilà, on se repose là, Yann Barta du coup il se repose, il est pas en grande forme, donc voilà, tranquille. Voilà, victoire de Yann Barta. Bien joué, champion de République tchèque. Ça fait plaisir. Là, faut que je le note, ça, quelque part, les maillots que je gagne. Hop, alors. Je vais noter ça ici, tiens, pourquoi pas. Ouais, bon. Hop, ici, hop là. Alors, donc, Russie pour l'instant. Rep check. J'espère que la liste va s'allonger, notamment avec l'Italie, l'Espagne, pourquoi pas, l'Allemagne, la France, pourquoi pas. Jérémy Roy, attendez, il a sa carte à jouer, hein, on sait jamais. Ça va dépendre du parcours, bien sûr, déjà. Pour Jérémy, bien sûr. C'est du sprint, non, aucune chance. Après, c'est un baroudeur, donc on sait jamais. Voilà, en tout cas, deuxième maillot pour l'équipe. Là, on remportait légitimement, sans aucun souci, sans aucun problème. Il n'y a pas de journaux non plus. Bon, c'est l'équipe, tant pis. Voilà, rendez-vous tout de suite pour le troisième et avant-dernier championnat national. Je ne sais toujours pas lequel. Je vous dis à tout de suite. 21 km de l'arrivée sur ces championnats de France. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est un sprint, voilà. J'aurais bien aimé un petit peu de vallon, même si Jérémy Roy, c'est pas forcément le meilleur des coureurs sur vallon, mais voilà. J'ai préféré ça à un sprint, mais c'est pas grave. 1 minute d'avance pour l'échapper sur le peloton.
Bon, bah oui, emmené par les Giants, emmené par les Bretons séchés. En gros, bah voilà, ça va s'amener par un sprint massif, il n'y a aucun doute là-dessus. Jérémy Roy, Yvon, le Danois. Non, Yvon, il est trop vieux, Yvon, c'est qui, je sais pas, c'est Kevin, c'est le Danois. Domon et Pino, Cédric Pino qui est dans ce groupe. Bah, bien joué les gars, bravo, félicitations à nous quatre, hein, voilà. On ne résistera pas au peloton, il reste à moins de 15 km. Et comme je l'ai dit, ce sera un sprint massif, sans aucun doute maintenant. Là, voilà. On va même se relever là avec. Ouais. On va se relever histoire de récupérer un petit peu d'énergie. Pourquoi pas tenter un truc, hein, genre le kilomètre, quoi, on sait pas. Ça me paraît trop délicat, hein, car à mon avis, la barre jaune va disparaître totalement. Oula, ça roule super fort également, ça. Allez, on va te mettre en auto, toi, et puis on va voir ce que tu feras. Voilà. Si tu fais quelque chose, c'est bien. Si tu fais rien, tant pis. Ça serait bien que l'échappée soit reprise au moins. Peut-être que ça se calmera un petit peu. Peut-être que ça roulera un tout petit peu moins fort. Alors qu'il reste 10 km, vous le voyez. Mon petit Jérémy, que fait-il? Il reste là. Il y a toujours des hommes devant, mais les bonnes séchées sont là. Anne Lebon, voilà, a voulu attaquer, mais c'est fini. 7 km encore à parcourir. Jérémy Roy qui ne fera plus partie de l'équipe Petit Marc Impro, bah voilà, c'est du sport, voilà, il fera plus partie de l'équipe, bah, je vous le dis, c'est comme ça. Il ne sera plus dans notre petite équipe, il y aura certainement un autre Français, bien sûr, mais il n'y aura pas de Jérémy Roy. Allez, mon petit Jérémy, remonte, une histoire, voilà, où on n'a aucune chance, on n'a rien à tenter, mais on va se dire, bon allez, on va participer à la fête du sprint. Oh, ça roule fort. Puis Jérémy n'a que 70 emplois, hein, il n'est pas faible. Il a bien baissé le Jérémy, je pense, hein, au niveau des notes, tout ça. Il n'a que 73 sprint, non, 72 sprint, même son accélération. Autrement dit, aucune chance de. Pour rien. Allez, il va quand même sprinter, mais c'est devant que ça se passe. Ou tout devant, avec la victoire peut-être. Manzin, attention, le retour. Non, c'est bon. Manzin, le coureur de la Bretagne séchée, bah voilà, ils n'ont pas roulé pour rien. Champion de France. Manzin, 80 sprints tout de même. Hein. Cocard, deuxième. Serro. Bouhanni et Laporte. Bien joué, Manzin. Bien joué, bien joué. Quoi, mais faut que tu le recrutes, Manzin, et champion de France. T'auras le champion de France dans ton équipe. Oui, pourquoi pas, limite. Hein, pourquoi pas. On verra. Mais non, j'ai d'autres pistes. Mais c'est vrai que du coup, le champion de France, pourquoi pas. Recruter les champions nationaux, ça peut être une tactique aussi pour d'avoir tous les maillots l'année prochaine. On ne sait pas. Bref, sur ce, donc les championnats de France sont terminés. Il reste une course à voir, une course à regarder, un championnat national. Je ne sais pas encore une fois lequel, peut-être l'Espagne, je ne sais pas. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour le prochain et dernier de cette vidéo, championnat. 20 km de l'arrivée dans ces championnats d'Espagne, alors que ça attaque, là, le coup ça attaque. On va pas réagir, les Movistar sont là pour ça. Enfin, ils sont pas là pour ça, voilà, ils sont là pour ça dans le sens où. Ils sont avec les Carraroa aussi d'ailleurs qui sont en force là, il y a 5 coureurs de Carraroa dans les premiers. Ça va être moins simple que la dernière fois, je pense, hein. Je connais l'Espagne là. Mais c'est jouable encore une fois. 3 coureurs à l'avant, vous le voyez, Garcia, Maté, haha. Et attention, là, c'est la petite bosse, l'unique petite bosse au circuit. Pas compliqué la bosse, elle est de 7%. Enfin, pas compliqué, façon de parler, hein, mais voilà, c'est pas du super violent qui fait que on peut faire des gros trucs. Il va falloir la gérer quand même. Essayer de la gérer en tout cas, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Essayer de surprendre, essayer de, je sais pas, ça attaque là, ça attaque. Hop, on le voit direct, ça attaquait. On est présent. Oh non, bien sûr, bon d'accord, super. Ok. Bah on va à la chute. Bon bah voilà, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Bah voilà quoi, c'est génial. Nous ne serons pas champions d'Espagne. C'est oui, bon. Dommage, il était bien, mon Fernandez, hein, il était bien. Regardez, son jaune est parfait et tout. Mais voilà. Le destin, on a voulu autrement, l'histoire, on a voulu autrement, nous ne serons pas champions d'Espagne. À moins que, on ne sait jamais. Si on arrive à remonter tranquillement là, on ne sait pas. La chute de Fernandez, dans ce cas-là, ça fait mal, là, ouais.
On s'attaque devant. Allez, faudrait qu'on puisse remonter là, tranquillement là. Bon, c'est la fin, hein, c'est le final là. Donc bon, voilà, comme je dis, il y a quasiment plus aucune chance. Hein, je suis pas sprinter avec Fernandez. Hein, donc voilà. Mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. On se croit encore une fois en x2 alors que ben non, forcément. Quoi, mal de dire ça. On le sait que t'es pas en x2, t'inquiète pas. Bon bah tant pis, hein, c'était. On aurait pu tenter notre petite chance là avec lui là, mais non. La chute fatale avec Errara. Oh, ça tourne dans tous les sens là, je peux même pas passer. Ça y est, je passe enfin. Allez, 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 allez. Bon bah voilà, allez, au moins faire une petite place d'honneur là, ce serait déjà pas mal. Alors que devant, qui va remporter Contador? Non, Izaguirre, champion d'Espagne. Bon, on n'avait pas trop de chance, hein, même. Mais bon. Un petit top 10 serait bien, allez, pour l'honneur, on va dire, pour dire que nous étions là, nous étions présents. C'est jouable le top 10, hein, quand même, c'est jouable. Non. Bon, bah, ok. Totalement foireux à cause de cette putain de chute de merde là. Vous aurez remarqué que j'ai pas trop réagi, hein. J'ai pas trop gueulé, j'ai pas dit. Ah, non, j'ai rien dit. Je l'ai pris avec zen. Zen attitude, quoi, sur ce coup-là. Très très zen. Victoire de Corpora Tinkoff. Izaguirre, champion d'Espagne. Bien joué à lui. Et nous allons nous quitter là. Eh oui, déjà, je sais déjà. Et voilà, c'est Glissement. Déjà. Sur ce, écoutez les amis, prenez bien soin de vous. On se retrouve prochainement pour la suite des championnats nationaux. Hein. Donc il y aura trois courses. Et la dernière, il y en aura 4. Donc 3, 4, 3, 4. Voilà, ça fait. Ah, ça fait 14. Hein, il y en a 14. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures sur Pro Cycling Manager 2015 et la suite des championnats nationaux. Je vous dis ciao ciao. Ciao ciao. Ouais, ciao ciao. Allez, hop.